pour l'épilogue de ces Jeux de la Francophonie en athlétisme avec le relais 4 x 400 mètres féminin et l'absence de la République démocratique du Congo. Quatre équipes au départ, donc le Congo, le Maroc, le Cameroun et la Roumanie, avec un premier 400 en couloir. Et maintenant on va se rabattre. Le Maroc à la lutte avec pour l'instant le Congo, alors que les Roumaines avec Marina Andrea Baboy sont déjà très loin. Les Marocaines, c'est Samia El Ali qui mène la danse pour l'instant et qui a fait la différence. Maintenant il faut passer dans les meilleures conditions à la deuxième relayeuse qui sera celle qui a gagné tout à l'heure le 800 mètres. Asia Ratsiki qui a gagné le 800, qui a gagné le 1500 et qui est alignée ici sur 4x400 avec le Cameroun en deuxième position avec Adèle Mafogang, et le Congo en troisième position, la Roumanie pour l'instant quatrième. Un beau travail quand même pour Ratsiki, qui n'est pas a priori une spécialiste du 4, mais regardez qu'elle a quand même une certaine allure sur le tour de piste. En tout cas, elle maintient ses adversaires à distance et elle va passer au véritable spécialiste de cette équipe marocaine, en l'occurrence Sarah El Hachimi, la sprinteuse qui va prendre le relais de la demi-fondeuse. Le relais 4x4, c'est bien sûr l'expression de la vitalité athlétique d'une nation. Et le Maroc de ce côté-là, c'est clair, alors que vous voyez que la Roumanie a pris la troisième place au Congo. La deuxième relayeuse roumaine, Anna Maria Nesteriuk, ayant fait un gros travail. Gros travail aussi pour Sarah El Hachimi, qui a mis des années-lumière entre elles et son adversaire principal, la Camerounaise Kolo Etané. Et là, il n'y a pas photo. Les Roumaines qui vont pouvoir s'offrir un tour d'honneur, d'ailleurs, qui sera un peu un tour d'honneur pour l'ensemble de leur œuvre, tellement elles ont dominé les épreuves avec les garçons. Voilà, c'est parti pour Noura Enadi, dernière relayeuse. Alors que pour les Camerounaises, c'est Linda Ngounou qui prend le relais. Pour les Roumaines, dernier relais pour Cristina Daniela Balan. Le tiercé, le podium est dessiné et la médaille d'or est promise aux Marocaines, qui vont réaliser certainement un joli chrono d'ailleurs, parce que même si elles courent toutes seules, elles ne lâchent rien. Elles vont jusqu'au bout de leur effort, un petit coup d'œil pour s'apercevoir que le seul danger peut venir d'elles-mêmes. Et Noura Enadi va conclure ce relais magique pour les Marocaines avec un très bon chrono de l'ordre des 3.33. Voilà, c'est fait. 3.33.91 pour l'équipe du Maroc. Le Cameroun est deuxième. Et c'est les Roumaines que l'on voit arriver en troisième position, le temps corrigé pour les Marocaines, 3.33.89 contre 3.40.84. Bravo mesdemoiselles, bravo, et une médaille supplémentaire pour le Maroc. Confirmation donc du classement, il n'y avait vraiment pas photo.